Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle édition de la formation culture numérique semestre automne 2015. Alors, je vous fais une extension de la session. Hein, on va continuer la session en cours, on va faire qui tournait autour de l'histoire d'Internet. Et on va s'intéresser maintenant aux mutations d'Internet, hein, ce que ça a changé, le numérique, l'utilisation d'Internet dans nos sociétés, dans nos usages au quotidien, dans différents domaines. Alors on va commencer par une conférence de Serge Soudoplatov sur les mutations d'Internet, liées à Internet. Super intéressant, vous allez voir, avec plein d'exemples. Ensuite, une conférence qui a 5 ans, mais qui est toujours d'actualité, puisque c'est Étienne Mineur qui travaille sur les interfaces des jeux, des interfaces informatiques, des interfaces tangibles. Vous allez découvrir tout un nouveau vocabulaire sur les interfaces, l'histoire des jeux, des interfaces, quelque chose d'assez... une super conférence, moi j'adore. Donc Étienne Mineur, qui a été tourné en 2010 à Limoges, donc avec des choses super intéressantes à regarder. Donc ça, c'est les deux vidéos à gratter, à bosser. Pour les bonus, pour ceux qui aiment les bonus, je vous ai mis une soirée débat avec justement Serge Soudoplatov. Si vous avez aimé la première intervention de Serge, vous en aurez une deuxième. Une soirée débat, Serge Soudoplatov, donc qui est un peu un entrepreneur qui monte un start-up en série, un start-upper en série qui fait pas mal de choses. Dominique Cardon, qui est sociologue, qui analyse un peu ça d'un point de vue sociologique, hein, nos usages d'Internet. Et Thierry Crouzet, qui est écrivain, on en reparlera juste après dans la vidéo, qui écrit des livres autour des usages des nouvelles technologies. Il était rédacteur en chef de ZDNet, une revue informatique, si quelqu'un vous connaissez ça. Voilà. Alors, justement, je parlais de bouquins, je parlais de choses à faire. Voilà. Donc, il y a des bouquins. On reverra celui-là de Thierry Cardon. On en reparlera un peu plus tard quand on abordera les identités numériques. Je vous mettais les références dessus. Si vous l'avez commencé à potasser, elle est réservée à la BU. Donc, comme on va le voir en conférence, en discussion, Dominique, il a fait ce bouquin-là, Problèmes Internet et les réseaux sociaux. Donc, il est disponible à la BU à la Doi. Thierry Crouzet avait fait ce bouquin, J'ai débranché, trop d'internet tue l'homme, c'est sa théorie, donc J'ai débranché. Un autre bouquin de Dominique Cardon là, qui vient de sortir, À quoi les rêvent les algorithmes. Donc c'est un bouquin super intéressant sur les algorithmes nous enferment dans des bulles, c'est-à-dire qu'ils nous donnent ce qu'on a envie de faire, mais pas forcément ce dont on a besoin. On en parlera un peu plus tard dans le cours. Si Serge Soudoplatov vous intéresse, pareil, disponible à la BU, référence 303-48. Je vais mettre les étages, 3e ou 4e étage, Serge Soudoplatov. Donc ils en ont plusieurs à la BU, hein, vous pouvez y aller. Pour prolonger un peu la vidéo que je vous mets pour démarrer ce cours. Donc ça, c'était la partie revue. Je repose la caméra, j'essaye, voilà. De travers, mais c'est pas grave. La revue de presse, la revue bouquin. Autre activité, je vous demande, vous n'êtes toujours pas énervé sur Twitter, de vous énerver un peu sur Twitter, de créer des comptes. Donc j'ai pour l'instant identifié 2 sur 120. La tête du prof, 2 sur 120. Comptes. Donc je vous demande de créer un compte et puis de le renseigner dans le wiki ouvert pour cette session étendue. Donc vous éditez le wiki, vous mettez votre photo de profil, alors c'est à votre nom ou pas votre nom, ça je m'en fous, c'est votre problème, mais au moins un lien sur le compte que vous avez utilisé pour le cours, pour faire du Twitter sur le cours. Voilà, et ben bonne séance d'extension, on se revoit la semaine prochaine, au boulot.